Hello everyone, my name is Ung Taimon and I will be hosting the next WCA to be organized in Paris in 2024. In the perspective of the Paris Congress, we at the French Society of Audiology feel the need to share with all AISA members the content of our scientific webinars from now on. It is a great pleasure for me to introduce tonight's session, which will be chaired by François Dejean, our president. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau mardi de la Société française d'audiologie. Nous en sommes à notre septième webinar, donc ça a démarré en 2021, donc sous ce format. Merci Ung pour cette introduction. Ung va être, professeur Ung Taimon sera le président du Congrès mondial d'audiologie en 2024. Et donc merci de nous rattacher à l'AISA. Pour ce webinaire, le thème qui a été retenu est thème recherche, parce que la SFA est très proche du monde de la recherche. Et donc, je suis très heureux d'avoir organisé ça avec trois personnalités connues, mais je vais quand même présenter. Professeur Jean-Luc Puel, qui dirige l'unité audition de l'Institut de neurosciences à Montpellier, et qui est également responsable d'enseignement du prothèse et master. Le docteur Jérôme Bourrien, qui est enseignant-chercheur dans la même équipe à l'INM de Montpellier et qui travaille particulièrement sur le codage, vous verrez tout à l'heure dans sa présentation. Et puis le professeur Paul Avant aussi, qui est très connu, mais je le présente quand même. Je te présente Paul, qui est professeur au département de biophysique à l'Université de Clermont-Auvergne et directeur du CERIA, le Centre de recherche et d'innovation en audiologie humaine. Voilà, je voulais, avant de vous donner la parole, je voulais remercier chaleureusement Sensorion, qui est un acteur majeur dans le domaine de la recherche, qui développe des traitements innovants pour les maladies de l'oreille. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de soutenir ce webinaire. Merci à ceux qui sont connectés d'être présents. Je laisse la parole donc au professeur Puel. On ne t'entend pas, Jean-Luc. Oui, bonjour. Je vais donc partager mon écran. Vous allez me dire si vous le voyez. Oui. Il faudra le mettre en place. Parfait. Alors, je vais choisir un pointeur. Voilà, style pointeur laser. Bien, donc, on m'a demandé de vous parler des surdités neurosensorielles et en particulier des signes précoces. Et donc, mon introduction va porter sur les surdités en général. On dit que à peu près 1,6 milliard de personnes ont une perte auditive, dont 400 000 une perte modérée ou sévère, hein, qui a été diagnostiquée après une visite chez un spécialiste. La plupart de ces surdités sont modérées. On voit ici en rouge les surdités congénitales, et donc apparues à la naissance. En vert ici, en fonction de l'âge, les otites, hein, qui sont vraiment une grosse part de la surdité. Et puis, le gros de la troupe, c'est vraiment la presbyacousie liée à l'âge. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que la presbyacousie résume, j'allais dire, les pathologies neurosensorielles. Et elle est due essentiellement à des problèmes au niveau de l'oreille interne. Dans la presbyacousie, vous le savez, hein, c'est la surdité liée à l'âge, avec une perte prédominante sur les fréquences aiguës
avec l'âge. Et ce qui apparaît de suite, c'est que les hommes sont plus atteints que les femmes. Alors, jusqu'à présent, on pensait que c'était parce que les hommes étaient exposés au bruit, étaient donc plus exposés au bruit, à certains médicaments, ils fumaient, etc. Et puis, on s'est aperçu que le fait que les femmes soient protégées était lié aux œstrogènes. Et donc, on a vraiment une raison génétique qui fait que les femmes sont plus protégées que les hommes. Donc, on a des causes génétiques, en particulier les œstrogènes, mais aussi tous les gènes liés à l'âge, et aussi, bien sûr, ce qui est très connu, c'est tous les facteurs environnementaux qui vont fragiliser l'oreille, c'est-à-dire le bruit, certains médicaments ototoxiques, mais aussi le tabac, le diabète et bien d'autres facteurs. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'épigénétique, qui est donc l'environnement qui est capable de modifier la génétique. Ce qu'il faut retenir, in fine, de cette presbyacousie, c'est qu'au final, ça aboutit, tous ces facteurs environnementaux et génétiques, à ce qu'on appelle un stress oxydant, c'est-à-dire que les mitochondries vont produire des radicaux oxygénés qui vont aller oxyder les protéines, donc les rouiller et les endommager, ce qui va entraîner des dommages au niveau de l'ADN et puis une dégénérescence des cellules ciliées, généralement sous l'influence d'une mort programmée, d'une mort propre. Si on va un peu plus loin dans cette presbyacousie, et là on fait un peu aussi le détail des surdités neurosensorielles, les dommages peuvent agir à plusieurs niveaux au niveau de la cochlée. Il y a plusieurs impacts. Il y a d'une part la perte des cellules ciliées qui est connue, perte des cellules ciliées externes, puis perte des cellules ciliées internes. Et on va parler de presbyacousie sensorielle. On a aussi des dommages de la strie vasculaire, et cet organe très vascularisé qui va produire l'endolymphe dans la cochlée, et on va appeler ce type de pathologie presbyacousie striatale. Et enfin, on a des dommages au niveau des fibres du nerf auditif et des neurones. On va perdre des neurones au cours de la vie, et c'est ce qu'on va appeler presbyacousie neurale. Alors, quand on commence à regarder et à essayer de comprendre comment ces divers dommages sur la strie, sur les cellules, sur les neurones impactent l'audiogramme, on commence à être un peu embêté. Ça, c'est des données chez l'homme. Vous voyez un audiogramme chez un sujet jeune, il n'a presque pas perdu de cellules ciliées, la strie vasculaire est parfaitement normale, mais vous voyez que déjà, même à 23 ans, on voit qu'il commence à avoir des pertes neuronales alors que l'audiogramme est parfaitement normal. Et puis, vous allez avoir des pertes prédominantes sur les aigus, chez des sujets un peu plus âgés. Il est toujours difficile de le corréler, soit avec les cellules ciliées, soit avec les pertes de neurones. Pareil, ici, c'est un autre exemple et encore un autre exemple. Tout ça pour vous dire que quand on regarde des cochlées humaines, on a du mal à corréler l'audiogramme avec la physiopathologie. D'où, vous voyez ici qu'on peut avoir, on a les cellules ciliées externes sont plus fragiles que les cellules ciliées internes, mais aussi que les fibres du nerf auditif sont plus fragiles que les cellules ciliées internes. En d'autres termes, vous gardez des cellules ciliées internes et vous perdez les fibres du nerf auditif. Et donc, tout ça est assez compliqué chez l'homme
D'où l'utilité de regarder ce qui se passe chez les rongeurs, où on peut faire des corrélations anatomo-fonctionnelles beaucoup plus simples. Donc, vous voyez ici, c'est les pertes de cellules ciliaires en fonction de l'âge. Et ce qui est très caractéristique chez l'animal, c'est qu'à mi-vie, vous avez une perte de cellules ciliaires externes, alors que les internes résistent bien. On le voit encore ici. Et puis ça, ça se traduit évidemment par une altération des auto-émissions, hein, qui sont le reflet des cellules ciliaires externes. Et puis, ça se traduit par une augmentation, une baisse, une perte auditive qu'on peut mesurer avec des PEA très facilement chez l'animal. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'au cours du temps, on a une perte progressive des neurones auditifs, qui peuvent aller jusqu'à 40%, hein, et ça, sur l'audiogramme, vous ne le voyez pas. Et donc, la théorie aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que quand vous avez des pertes auditives, quand vous voyez un audiogramme avec des pertes auditives, ben, c'est parce que vous avez des pertes de cellules ciliées externes. Donc, l'audiogramme est le reflet des pertes de cellules ciliées externes. Et puis, tout le long de la vie, vous avez des neurones qui disparaissent, et ça, vous ne le voyez pas à l'audiogramme. De telle sorte que vous pouvez arriver à mi-vie avec des pertes de l'ordre de 20% des neurones ou des fibres de neurones auditifs avec un audiogramme strictement normal. Et pourtant, vous avez des patients qui vont se plaindre de problèmes de compréhension dans le bruit, qui vont se plaindre d'acouphènes, par exemple, alors qu'ils n'ont pas de perte auditive. Donc, les signes précoces des surdités neurosensorielles au travers de cet exemple, c'est vraiment ces problèmes dans le bruit, hein, et qui sont dus à la perte des neurones auditifs, essentiellement. Alors, ensuite, on peut essayer d'aller comprendre les mécanismes, hein, de ces pertes auditives et de ces dégénérescences des cellules ciliées, si on veut envisager des thérapies. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est travailler in vitro, parce que ça va très vite, c'est plus facile, on peut appliquer des drogues, etc. Et on peut créer ce qu'on appelle un stress oxydant en utilisant du peroxyde d'hydrogène, hein, c'est de l'eau oxygénée. Donc, on a des cochléées qu'on cultive. Et puis, on va appliquer des doses croissantes d'oxygénés. Et vous voyez que les cellules ciliées internes résistent bien. Par contre, les cellules ciliées externes, elles, sont beaucoup plus sensibles au stress oxydant. Et donc, si par exemple, vous utilisez des marqueurs de dommages de l'ADN, bien, vous allez voir que vous avez des dommages de l'ADN préférentiellement dans les cellules ciliées externes. Et puis, si vous utilisez des marqueurs pour analyser la nature de la dégénérescence des cellules ciliées, et vous allez voir que les cellules ciliées ont déclenché ce qu'on appelle un programme d'apoptose, qui est une mort programmée, une mort propre qui ne provoque pas d'inflammation. Donc, quand on connaît ces mécanismes in vitro, on peut aussi aller sur des modèles, j'allais dire, de vieillissement précoce. C'est le cas des souris SAM. En gros, c'est une souche de souris, AKR, qu'on a croisée. On a gardé les souris qui vieillissaient précocement, et puis on a gardé les souris résistantes. Et donc, on a deux types de souris, hein, des souris qui ont vieillissement précoce, des souris qui ont un vieillissement plus tardif. Et puis là-dessus, on a pu étudier les mutations génétiques, etc. Et surtout, on a pu voir que ces souris avaient un vieillissement précoce aussi de l'oreille, donc elles n'avaient pas qu'un vieillissement général, mais aussi une presbyacousie,
qui se caractérisait par une perte d'externe, une perte de neurones et des dommages au niveau de l'astrie vasculaire. En fait, ces souris développent ce qu'on voit très clairement chez l'homme, c'est une presbyacousie mixte, sensorielle, striatale et neurale. Et vous revoyez encore ici qu'on peut très bien avoir des cellules ciliées internes intactes et puis des neurones qui disparaissent progressivement au cours de la vie de ces souris qui ont une vie évidemment un peu raccourcie. Alors, quand on a ce type de modèle, qu'on connaît les mécanismes, en particulier, on sait qu'il y a du stress oxydant, on peut, justement, je n'ai pas détaillé les... Voilà, hein, sur ce type de souris, on peut étudier le stress oxydant, on peut étudier des dysfonctionnements des mitochondries, on peut étudier l'apoptose. Et donc, quand on connaît tous ces mécanismes, on va pouvoir essayer d'enrayer le vieillissement de l'oreille en utilisant des anti-apoptotiques, des boosters de mitochondries, je dirais, ou des antioxydants. Et je finis juste par cette diapositive pour vous montrer que c'est possible. Donc, vous avez ici une souris normale qui vieillit, les seuils augmentent, et quand vous la traitez avec cet antioxydant, même par voie générale, et vous voyez que vous protégez l'oreille contre le vieillissement, et puis surtout que vous protégez ici les cellules ciliées externes. Voilà. Donc, c'était un peu le sens de ma présentation. Et juste pour finir, je vous présente les membres de l'équipe. Bon, vous allez voir Jérôme qui travaille sur le codage des sons avec Régis Moudian. Jingwan, qui est quand même la spécialiste de la thérapie. Et puis Frédéric Venaille, qui est notre clinicien préféré. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour cette partie très attrayante. Et donc, moi, j'avais une question concernant, finalement, est-ce qu'il y a des premiers signes, donc tu as bien décrit sur la perte de fibres, est-ce que ça se traduit dans la vie courante par des difficultés spécifiques qui sont plutôt une intolérance au bruit ou des difficultés de compréhension en milieu bruyant, lorsqu'il y a plusieurs sources sonores en compétition. Voilà. Est-ce qu'il y a des signes vraiment spécifiques qui peuvent être rapportés par les patients ou c'est encore difficile? Oui, les signes les plus caractéristiques, c'est la difficulté de compréhension du langage dans le bruit. C'est aussi ce qui est décrit des problèmes de localisation, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est quand on perd des fibres, on ne perd pas des fibres de manière aléatoire. Au moins dans la presbyacousie, Jérôme en parlera. Mais généralement, on perd des fibres qui codent pour des seuils élevés. Et donc, ce qu'on perd, c'est de la dynamique. Et donc, quand on perd de la dynamique, évidemment, on a des difficultés dans le bruit, on peut avoir développé des problèmes d'hyperacousie parce qu'on atteint plus vite le seuil de saturation, on peut avoir des acouphènes puisqu'on a modifié les entrées sensorielles. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais le symptôme le plus courant, c'est quand même la compréhension. Ok. Ok, merci beaucoup. On va laisser la parole à Jérôme Bourrien pour la deuxième intervention. Jérôme. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, vous voyez mon écran? Parfait.
Bon, avant de commencer, je tiens à remercier l'équipe donc de la SFA pour l'organisation et pour l'invitation. Je vais vous parler des surdités neurosensorielles, évidemment, mais je vais mettre un accent tout particulier sur la notion de neurogramme et de code neuronal. Alors, la cochlée transforme les sons de notre environnement sonore en un message nerveux, ce qu'on appelle un code neural, qui est transmis par les fibres du nerf auditif que j'ai représentées ici par ces flèches. Chez l'homme, le nombre de fibres auditives dans le nerf peut paraître assez élevé, 35 000, mais ce qui est finalement assez modeste pour transmettre une information qui est extrêmement riche. Vous voyez ici ces fibres représentées en vert qui viennent innerver les cellules ciliées internes ici présentes en bleu, avec faisant face à elles les trois rangées de cellules ciliées externes que vous voyez ici en rouge. Alors, pour étudier le code neuronal, la technique de référence, c'est ce qu'on appelle la technique de l'enregistrement unitaire, qui consiste à insérer délicatement une électrode de verre très, très impédante dans le nerf auditif. Donc, ce sont des expériences qui sont réalisées chez le modèle animal, typiquement au laboratoire chez la gerbille. Et donc, ce qui est tout à fait frappant quand on utilise ce type de technique, c'est d'observer une très, très large diversité de fibres en termes d'activité spontanée, avec vous pouvez le voir ici, à la fois des fibres qui caractérisées par une activité spontanée très très basse, un contingent de fibres avec une activité spontanée très élevée, et puis un contingent intermédiaire qu'on appelle les fibres spontanées moyennes, qui se situe entre ces deux contingents extrêmes. Cette activité spontanée, elle est importante, et il a été démontré il y a plusieurs dizaines d'années que les fibres à basse activité spontanée avaient des seuils d'activation relativement élevés, c'est ce dont parlait Jean-Luc tout à l'heure. Donc, ce sont des fibres qui disposent d'un seuil d'activation pour cette fibre autour de 30 dB/SPL, et puis vous le voyez, une assez large dynamique d'activation. Et à l'opposé, les fibres à haute activité spontanée ont un seuil d'activation assez bas et une dynamique assez étroite. Et donc, on comprend bien que si une cellule ciliée interne dispose au niveau de son innervation d'un continuum entre ces différentes poules de fibres, eh bien, ça va permettre à la cochlée, au système auditif périphérique, de coder les sons sur une large dynamique d'intensité. Alors, les fibres dans le nerf auditif disposent aussi d'une fréquence caractéristique, d'une sélectivité fréquentielle qui lui est propre. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le champ récepteur. Et c'est un cas particulier, il s'agit du champ récepteur d'une fibre enregistrée chez la gerbille qui dispose d'une fréquence caractéristique, c'est-à-dire l'abscisse de la pointe de ce champ récepteur, donc une fréquence caractéristique autour de 5 kHz et un seuil d'activation autour de 15 décibels SPL. Si un son est présenté à l'intérieur du champ récepteur, c'est-à-dire dans la zone rouge, eh bien la fibre va augmenter son activité. En revanche, si un son est présenté en dehors du champ récepteur, dans la zone bleue, la fibre va avoir une activité qui va tout simplement revenir à son activité spontanée. Ce que l'on appelle ensuite la courbe d'accord d'une fibre, c'est tout simplement la courbe qui délimite le contour extérieur de ce champ récepteur. C'est la courbe qui apparaît en jaune ici. Ce qui est tout à fait particulier dans le nerf auditif, c'est que ces courbes d'accord ont une forme en V asymétrique. Ce qui fait que si un son est présenté à une, deux, voire trois octaves au-dessous de la fréquence caractéristique, à 80 dB/SPL, la fibre va s'activer. En revanche, si un son est présenté à une octave au-dessus de la fréquence caractéristique, la fibre ne répondra absolument pas à la stimulation sonore. Dans les années 1970, les chercheurs de l'université d'Harvard ont introduit pour la première fois la notion de neurogramme. Donc, qu'est-ce qu'un neurogramme ? Eh bien, c'est une représentation graphique relativement sophistiquée, on va dire, comme vous pouvez le voir ici, dans laquelle les réponses unitaires ont été réorganisées en fonction de la fréquence caractéristique de la fibre. Donc, les fibres, les enregistrements qui sont représentés en bas correspondent à la réponse unitaire des fibres qui ont des fréquences caractéristiques basses, autour de 100 Hz. Donc, ce sont des fibres qui innervent principalement l'apex de la cochlée. Et à l'opposé, les enregistrements qui sont placés là en haut proviennent de fibres qui ont des fréquences caractéristiques assez élevées. Et ce que vous voyez ici, c'est le neurogramme, donc c'est la réponse des fibres en réponse à un clic acoustique. Donc, c'est ce qu'on peut faire, si je puis dire, de plus simple en termes de stimulation acoustique, présenté à 80 dB/SPL. Et ce qu'a observé Nelson Kang dans les années 70, c'est qu'en réponse à un clic, eh bien, il y a une activation synchrone
des fibres qui innervent la base de la cochlée avec une latence d'à peu près une milliseconde. Et puis, ensuite, vous le voyez ici, une activation un peu plus tardive des fibres de l'apex. Si on compare donc ça, un neurogramme, ça constitue en fait la sortie, c'est l'information qui sort, entre guillemets, d'une cochlée. Maintenant, si on compare cette information qui sort d'une cochlée à l'information qui entre dans la cochlée, c'est-à-dire l'information qui est purement acoustique, donc vous avez ici un clic identique à celui-ci, avec une représentation temps-fréquence, c'est ce qu'on appelle le spectrogramme, eh bien, vous pouvez ici constater que la cochlée réalise un traitement de l'information sonore qui est extrêmement sophistiqué. Alors, peut-on enregistrer ces neurogrammes chez l'homme? Eh bien, la réponse, évidemment, est non, pour des raisons, parce que c'est une technique trop invasive, mais il est possible chez l'homme d'utiliser ce qu'on appelle des modèles mathématiques, des modèles computationnels. Et l'idée est de simuler, à l'aide d'équations mathématiques, le traitement de l'information sonore dans la cochlée. On peut modéliser l'activité, la réponse de la membrane basilaire que vous voyez ici. On peut modéliser le défléchissement des stéréociles jusqu'au déclenchement des potentiels d'action dans les fibres du nerf auditif. Ces modèles mathématiques, on peut les contrôler. On peut contrôler les paramètres biophysiques. On peut contrôler, par exemple, la proportion de fibres à basse, moyenne et haute activité spontanée. On peut contrôler, en respect des données de la littérature, le nombre de synapses par cellule interne, et on peut contrôler également la forme des courbes d'accord attendues chez l'homme, avec ici donc des courbes d'accord de fibres dont la fréquence caractéristique est distribuée de l'apex à la base. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'évidemment, ce modèle mathématique, après, on peut l'utiliser pour le stimuler avec des sons, avec n'importe quel type de son. Et si on stimule cette cochlée à l'aide d'un clic, donc c'est ce que vous pouvez voir sur cette animation, on voit finalement qu'en réponse à un clic, eh bien, il va y avoir une mobilisation très rapide de la membrane basilaire dans la partie basale, et puis très bien synchronisée. Et puis, dans les quelques millisecondes qui suivent la fin du clic, eh bien, il y a cette propagation en fait, de l'onde qui se fait en direction de l'apex. Et donc, évidemment, si on distribue des cellules cilii internes comme celle-ci, des modèles de cellules cilii internes tout le long de la membrane basilaire, de la base à l'apex, eh bien, on peut reproduire des neurogrammes tout à fait comparables à ceux qui avaient été enregistrés par Qiang dans les années 70, mais de façon purement informatique. On retrouve bien ici donc, la synchronisation très forte des fibres de la base, et puis cette onde en fait, qui gagne progressivement et tardivement l'apex de la cochlée. Avantage du modèle mathématique, on peut sommer toutes ces réponses unitaires pour simuler la forme d'un potentiel d'action composite, ce qu'on appelle le CAP, Compound Action Potential, et ce CAP est caractérisé par une onde N1 et un complexe N1P1, et cette onde N1 de très très forte amplitude que vous voyez ici correspond à la réponse synchrone des fibres en début de réponse. Alors au laboratoire, on a simulé des neurogrammes, et on a représenté ces neurogrammes sous la forme d'une image en utilisant une échelle de couleurs qui va du blanc au rouge pour indiquer le taux de décharge des fibres. Ce que vous voyez ici, par exemple, en réponse à un clic présenté à 20 dB SPL, eh bien, c'est que le clic va entraîner l'activation d'à peu près 20% des fibres, 20 à 30% des fibres, dans la zone du 2 kHz, mais cette activation n'est pas suffisamment synchrone pour générer un potentiel d'action composite ici qui émerge suffisamment de la ligne de base. Par contre, à 40, 50 et évidemment, on le voit ici, hein, jusqu'à 90 dB SPL, on voit qu'en fait, plus le niveau sonore, plus l'intensité du clic augmente, plus le nombre de fibres engagées dans la réponse augmente. Et deuxième effet très important, la synchronisation qui est caractérisée par ces pixels rouges ici va être de plus en plus élevée. Et évidemment, la synchronisation entre les fibres étant plus forte, on observe un potentiel d'action composite dont l'amplitude augmente avec le niveau sonore. Donc, on peut, à partir de cette modélisation mathématique, on peut mesurer l'amplitude du complexe N1P1. On peut l'exprimer en fonction du niveau de stimulation, comme vous le voyez ici. On peut également afficher la latence de l'onde N1 qui diminue en fonction du niveau de stimulation. Deuxième avantage de la modélisation mathématique, et c'est quelque chose qui serait absolument impossible à faire avec des enregistrements électrophysiologiques, on peut, avec des techniques de traitement de signal, on peut
déterminer parmi les événements observés dans le neurogramme, on peut identifier les événements qui sont significativement corrélés avec la réponse globale. Donc, pour ce faire, on utilise des techniques de corrélation et on ne retient que les neurones pour lesquels la corrélation est suffisamment forte, ce qui nous permet d'éliminer dans le neurogramme tous les événements qui n'ont aucune répercussion sur le potentiel d'action composite du nerf auditif. Et lorsque l'on fait ça, eh bien, en fait, on nettoie entre guillemets le neurogramme pour ne garder que ce qui est véritablement traduit dans le potentiel d'action composite. Et vous pouvez voir que, par exemple, pour des clics présentés entre 20 et 30 dBSPL, eh bien, les générateurs neuronaux sont principalement localisés dans la zone du 2 kHz. À 50 dBSPL, on voit apparaître ici un second générateur dans la zone du 500 Hz. Et puis, lorsque le niveau de stimulation augmente, ces deux foyers de générateurs vont avoir tendance à fusionner l'un avec l'autre pour ne former qu'un seul foyer distribué sur à peu près 4 octaves à 90 dBSPL. Alors, un modèle mathématique comme celui-ci est intéressant puisqu'il nous donne plein d'indices électrophysiologiques. Mais avant d'aller plus loin, il est important de valider ces modèles mathématiques en le confrontant à des données expérimentales. Pour cela, on collabore avec le CHU de Reims et notamment le docteur Xavier Dubernard. Le CHU de Reims est un centre de référence dans une chirurgie qui s'appelle la chirurgie de l'angle pontocérébelleux. Et au cours de cette chirurgie, il est possible de disposer délicatement une électrode boule que vous voyez ici en contact avec le nerf cochléaire. Donc, c'est la partie gauche de cette structure ici que vous voyez au milieu. Et à l'aide de cette technique, il est possible d'enregistrer le potentiel d'action composite chez des sujets normaux entendants. Donc, vous voyez ici l'audiogramme tonal. À partir de ces mesures donc, qui sont réalisées en réponse à des clics présentés de 20 à 90 dBSPL par pas de 10, il est possible de mesurer encore une fois l'amplitude de l'onde NMP1, de l'exprimer en fonction du niveau. Et puis, il est possible également de mesurer la latence de l'onde N. Et vous pouvez constater, si on présente les résultats expérimentaux ici et les résultats et la prédiction du modèle, qu'il y a une bonne correspondance entre les deux, ce qui nous a permis de valider le modèle mathématique dans un cas physiologique où l'audition des sujets est normale. Là où le modèle mathématique devient particulièrement intéressant, c'est dans le cas de surdité et notamment de surdité neurosensorielle. Et donc, au CHU de Reims, il est possible, parmi le recrutement des patients candidats à la chirurgie, de recruter des patients qui ont un audiogramme tonal caractérisé par une surdité prédominante dans les fréquences aiguës, typique d'une surdité neurosensorielle. Il est possible, avec le même type de protocole, d'enregistrer les réponses que vous voyez ici en rouge. Et on peut constater que chez ces sujets, comme on pouvait s'y attendre, il y a une élévation du seuil d'apparition du potentiel d'action composite, mais une amplitude de l'onde N1P1 qui est relativement bien préservée, ainsi que la latence. Pour essayer, avec le modèle mathématique, de reproduire ce type de résultat, il nous a fallu explorer tout un tas de scénarios potentiels, comme les a décrits tout à l'heure Jean-Luc. Est-ce qu'il s'agit d'atteintes plutôt striales, des cellules sensorielles, des neurones? Donc, on a testé tout un tas de scénarios, et il s'est avéré que le scénario le plus prometteur, celui qui donnait des résultats les plus proches des données expérimentales, est un scénario dans lequel il y avait une perte partielle de cellules ciliées externes qui touchent principalement les deux premières rangées ici et qui se traduit au niveau des courbes d'accord par une élévation des seuils, comme vous pouvez le voir ici en bas, et un élargissement des courbes d'accord. Et lorsque l'on a introduit ce scénario dans le modèle computationnel, on a pu, comme vous le voyez ici, reproduire des courbes entrées-sorties et ainsi la latence. Alors, quelles sont les perspectives de ce travail? Eh bien, c'est de poursuivre évidemment les investigations dans le domaine des surdités neurosensorielles, en explorant différents types de scénarios concernant des pertes spécifiques de cellules ciliées externes. Et évidemment, il est intéressant également d'explorer des scénarios un peu plus sophistiqués, avec par exemple des synaptopathies. Donc, ce sont des pertes de synapses qui pourraient toucher spécifiquement les fibres à basse et à activité spontanée moyenne. Et puis, plus récemment, on a aussi commencé à tester des scénarios vraiment nouveau, dans lequel, en fait, on a modifié le phénotype des fibres. Et ça, par exemple, en remplaçant les fibres à basse et moyenne activité spontanée par des fibres à haute activité spontanée. Et ça, ce type
de plasticité synaptique, si je puis dire, pourrait être à l'origine, par exemple, pourrait être un mécanisme intéressant pour expliquer la présence d'acouphènes ou d'hyperacousie, par exemple. Bon, pour finir, je souhaite remercier les collègues de Montpellier, notamment Jean-Luc Puel, ici présent, et Frédéric Venaille, et puis évidemment les collègues et amis du CHU de Reims. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce topo. Alors, il y a quelques questions. On va prendre quelques minutes avant de arriver. Voilà. Comment s'explique que la latence diminue avec le niveau sonore? Et ensuite, il y aura une question pour question qui est arrivée un petit peu tard pour Jean-Luc. Alors, concernant la latence, c'est un mécanisme qui a été décrit il y a fort longtemps. Hein. C'est lié en priorité à la biophysique de la membrane basilaire, entre autres notamment, hein, qui fait que plus un son est fort, plus il va mobiliser une partie de la membrane basilaire qui se situe proche de la basse, tout simplement, et donc va avoir tendance à réduire la latence de l'onde N1 du potentiel d'action composite. Ok. Très bien. Il y a une question pour Jean-Luc, qui est arrivée un petit peu après. Pourrions-nous imaginer de prendre chez l'homme des antioxydants précoces par voie générale pour avoir le même effet protecteur que celui observé chez l'animal? Oui, j'ai vu les questions. J'essaie d'y répondre en direct et j'y arrive pas. Je suis désolé. Okay. Alors oui, cette question, c'est oui, on peut imaginer que dans des cas assez particuliers de surdité précoce, hein, avec un vieillissement précoce et accéléré, on puisse prendre des antioxydants, pourquoi pas par voie générale. On peut toujours aussi avoir recours à des traitements par voie locale, hein, c'est pas idiot de penser qu'on puisse faire une injection tous les 3 mois en utilisant un antioxydant ou un anti-apoptotique par voie locale, donc par voie transtympanique. J'avais une question aussi, j'avais vu, j'aurais aimé y répondre. Est-ce qu'on a la possibilité de tester quel type de fibre on a perdu? C'est une question qui est un peu difficile, mais je renvoie les auditeurs. On vient de publier un article où on a développé un test où on est capable d'avoir une réponse non plus uniquement sur la synchronisation des fibres, comme vous a montré Jérôme, mais sur leur capacité. On peut mesurer, donc, comme un PSTH, un péristimulus-histogramme de fibres, on peut mesurer d'une part l'adaptation rapide et lente des fibres, et on est capable aussi de mesurer leur activité spontanée de manière indirecte. Mais je vous renvoie à un article qu'on vient de publier il n'y a pas très longtemps, dans Gyneroscience, je peux communiquer la référence si vous voulez. Ok, ben merci. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Merci Jérôme pour. C'est assez prometteur, hein, ces modélisations mathématiques où on introduit des surdités, des désordres auditifs. C'est quand même assez prometteur pour l'avenir. Voilà, on va laisser la parole au professeur Paul Avant pour la troisième partie de ce webinaire. Merci beaucoup, monsieur le président, cher François. Je tiens à remercier ceux qui organisent et qui permettent à cette journée d'avoir lieu, ce webinaire. Je vais vous parler à mon tour de presbyacousie sous un angle qui est plutôt centré sur le traitement de l'information. Alors, je ne suis pas certain d'être capable de dire que la presbyacousie peut
être démontré comme atteignant spécifiquement les centres auditifs. En tout cas, ce qui va m'intéresser dans cette présentation, c'est qu'est-ce qui peut fausser l'information, que ce soit de la périphérie ou du central, et qui relève d'une presbyacousie. Alors, la presbyacousie, d'abord, c'est une pathologie. Elle n'est pas inéluctable et elle n'est pas systématiquement liée au vieillissement. Ça, on le sait depuis les années 1950-60, ou le fameux travail de Rosen sur les hauts plateaux soudanais. Alors, on comparait à une population d'âge apparié dans une zone du continent américain où les gens sont probablement affectés de nombreuses nuisances. Alors, par génétique, par de l'alimentation, pourquoi pas ce chasseur Mabane prend-il des antioxydants régulièrement? Enfin, on ne peut pas savoir, mais c'est fort possible. Alors, d'autres isolats géographiques particulièrement privilégiés dans leur qualité de vie ont manifesté la même résistance. En tout cas, le monde, malheureusement, et désormais au Soudan d'ailleurs aussi, est semé d'embûches, et on considère que finalement, on a l'exposition chronique à des substances toxiques, mais peut-être des antioxydants produits par notre corps, mais peut-être aussi exogènes, l'exposition à des sons intenses, qui sont de plus en plus intenses et prolongés dans notre vie moderne, et puis des effluves mystérieuses qui ont trait à l'évolution de notre vie, font qu'on va avoir des pertes auditives. Bien sûr, des prédispositions génétiques peuvent apparaître à la naissance, mais elles peuvent être d'expression tardive. Il y a des aspects centraux, clairement, dont on sait que les tests de sensibilité périphérique les repèrent très mal. Alors, dans tout ça, on savait depuis longtemps que la presbyacousie sensorielle était patente, facile à vérifier sur des os temporaux prélevés après la mort. On voit des décroissances de la densité cellulaire, particulièrement les cellules ciliées externes, aussi les cellules ciliées internes. Ça fait une cinquantaine d'années qu'on a ces chiffres en tête. Et on sait aussi que l'astrie vasculaire est une cible privilégiée de dégradation liée au vieillissement. Là où on le sait maintenant, et ça fait un peu l'effet d'un électrochoc, là où on est plus vigilant dans l'approche clinique de la presbyacousie, c'est qu'il a été montré très clairement par l'équipe de Boston que non seulement les cellules ciliées externes, mais aussi les internes, plus lentement, comme on l'a vu tout à l'heure, et aussi les fibres du nerf auditif, bien, se dégradent à des taux qui dépendent des individus, de leur génétique et de leur épigénétique et de leur environnement. Et l'énorme inconvénient des atteintes neuronales, c'est qu'elles sont beaucoup plus difficiles à détecter, en tout cas par les moyens de dépistage traditionnels, puisque l'audiogramme tonal, c'était une question tout à l'heure, l'audiogramme tonal est essentiellement dépendant de la partie amplificatrice de la cochlée, et c'est les cellules ciliées externes qui la pilotent. Mais la disparition de fibres neurales, on l'a démontré sur des modèles animaux, peut-être de 90% sans que l'audiogramme tonal ne soit affecté le moins du monde. Évidemment, dès qu'on augmente le niveau au-dessus de quelques dizaines de décibels, ça se passe beaucoup plus mal. Mais ce n'est pas un test classique d'explorer les performances supraliminaires. Alors, il existe des situations maintenant qui sont nouvelles parce que la vie moderne engendre des sons qui n'ont pas d'existence dans la nature et nous avons une étude en cours qui porte sur les sons surcompressés de la musique de foire, si on peut dire, celle qu'on utilise pour diffuser dans les copies de voitures ou dans les supermarchés, de telle sorte qu'il n'y a plus de silence pour éviter tout effet parasite des sons de l'environnement. On met le message à fond tout le temps et on a pu constater, c'est en cours de publication, que alors que l'audiogramme tonal n'est pratiquement pas affecté ni par la musique naturelle jouée à très fort niveau. Là, c'était 102 décibels quand même pendant 4 heures. Ce n'est pas rien, c'est l'équivalent d'une discothèque, c'est le niveau maximum toléré par la loi. Et quand la musique est surcompressée, évidemment, on égalise le niveau moyen pour avoir
une dose équivalente, eh ben, l'audiogramme tonal est en fait très très peu atteint, tout au plus dans les très basses fréquences à cause des énormes basses qui sont utilisées dans certaines musiques. Quand on regarde ce qui se passe au niveau du tronc cérébral, juste le réflexe des muscles de l'oreille moyenne, c'est une boucle réflexe qui implique essentiellement des neurones. Ce n'est certainement pas l'audiogramme tonal qui explique que la force de ce réflexe est divisée par deux. À la sortie, bon, ceux qui ont été 4 heures à 102 décibels, vous comprenez que c'est un peu fatigant, ça n'est pas choquant. Mais alors que la musique naturelle permet une récupération au bout de 24 heures, ça n'est pas le cas de la musique surcompressée. Ça n'est pas le cas au bout de 48 heures, ça n'est pas le cas au bout d'une semaine. Et là, ça commence à poser problème. Okay. C'est un effet central et c'est un effet d'un artefact, je dirais, de notre civilisation. Autre situation qui n'est pas du tout nouvelle, hélas, qui est monnaie courante dans les pays à surconsommation de glucose, l'Amérique du Nord, la Polynésie, on a des diabètes de type 2 qui sont peu ou mal traités. Et à partir du moment où on connaît l'effet toxique du glucose en excès sur l'organisme, et particulièrement les neurones, eh bien, on s'interroge sur l'effet cochléaire et l'effet sur les voies nerveuses auditives. Quand on regarde l'audiogramme tonal des diabétiques, quel que soit leur âge, on a un léger décalage, mais qui n'alarmera certainement pas l'ORL de quartier. À juste titre, hein, c'est 0,7 écart-type par rapport à la bande normative. Ça veut dire que quasiment tous les diabétiques se trouvent dans la bande normative, mais un petit peu au-dessus de l'endroit idéal. Quand on regarde leurs auto-émissions acoustiques, c'est beaucoup plus objectif. Eh bien, vous voyez que la plupart sont présentes et la bande minuscule où les auto-émissions sont absentes n'augmente que pour des âges vraiment avancés avec un diabète mal entretenu. Ça corrobore tout à fait l'impression subjective que l'audiogramme tonal est peu atteint. Mais quand on regarde le questionnaire que peuvent nous remplir ces patients, avez-vous jamais consulté un otolaryngologiste? Pas souvent, vous voyez, 20%. Est-ce qu'il a diagnostiqué une perte auditive? Ben non, il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas sur le plan de l'audiogramme tonal. Et donc, avez-vous des appareils auditifs? Ben zéro en a. Comprenez-vous une conversation dans le bruit? Eh ben, 60% ne comprennent rien dans le bruit. Et ça, c'est quand même un petit peu embêtant pour des gens qui ont parfois la cinquantaine. Certainement, ce n'est pas normal. Et quand on mesure leur réflexe stapédien, le réflexe des muscles de l'oreille moyenne, un peu à l'instar de ce qu'on a fait pour la musique surcompressée, mais là, je vous rassure, c'était des cochons d'Inde. Eh bien là, on s'aperçoit que quand même, dans la tranche de la soixantaine qui m'est chère, 40% de ces sujets dits normaux entendant sur leur audiogramme tonal n'ont pas de réflexe acoustique. C'est complètement anormal, car le réflexe acoustique ne disparaît que chez les sujets porteurs de surdité sensorielle sévère. Ça veut dire que le réflexe stapédien, donc les voies, une des voies nerveuses centrales de ces sujets diabétiques, est fortement anormale dans beaucoup de cas. Et ça va de pair avec une utilisation médiocre de l'audition dans des conditions écologiques. Alors, pour corroborer tout ça, j'ai pris, j'avoue, la première étude qui m'est tombée sous la main par ordre chronologique, hein, c'est la plus récente, elle est très bien faite, ce sont des collègues autrichiens, publié dans The Neuroscience Research il y a quelques semaines, une étude très complète qui, c'est très complexe comme diapositive, mais rassurez-vous, on a un groupe de normaux entendants jeunes, un groupe de normaux pour leur âge, en rouge, et un groupe de pas normaux pour leur âge, presbyacousie très anormale, en noir. Qu'en est-il des auto-émissions acoustiques qui testent les cellules ciliées externes? Eh bien, très bonnes, pas mal, très mauvaise. Ça va dans le sens de l'audiogramme. Qu'en est-il des potentiels évoqués auditifs? Pas mal, pas mal, pas mal, un tout petit peu de type neuropathique avec un tout petit allongement de certaines latences, c'est pas très flagrant. Ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde
Là, et ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, le signe par excellence, l'intelligibilité dans le bruit, le signal sur bruit pour avoir 50% d'intelligibilité. Qu'en est-il? Eh bien, là, les normaux pour leur âge ne sont pas normaux sur ce plan-là. Alors, les auteurs ont été très soigneux, ils ont fait une étude psychophysique approfondie. On regarde la sélectivité fréquentielle, on regarde la capacité discrimination temporelle fine, et puis, vous voyez, des tests de plus en plus centraux. Et qu'apparaît-il sur ces tests? Discrimination donc, de fréquence, elle est comme prévu, les normaux pour leur âge sont plutôt bons. Discrimination temporelle fine, les normaux pour leur âge sont pour certains très mauvais. Et discrimination des niveaux, ce qui n'est quand même pas une tâche insurmontable, les normaux pour leur âge sont franchement parfois beaucoup plus mauvais que les franchement anormaux. Donc, clairement, les auteurs, à juste titre, soulignent que cet ensemble de tests simples et très complets donne des preuves d'une atteinte centrale indépendante de l'atteinte périphérique, non attribuable à la perte périphérique. Donc, tout ce qui a été dit ce soir tourne autour de cette notion qu'il faut être très vigilant, autour des différents composants de la presbyacousie qui peuvent coexister, les uns pouvant cacher les autres. Alors, pour autant, c'est tentant de dire, des synaptopathies, des neuropathies, des surdités cachées, on en parle de plus en plus. Oui, mais n'oublions pas que la périphérie des cellules ciliées externes peut nous jouer de mauvais tours. Voyez ce cas clinique qu'on a vu à Clermont-Ferrand. Je ne parle pas les stapédiens sont bons, le tympanogramme est parfait, il y a des petites auto-émissions, mais un petit peu mitées, on va dire, pour être gentil. L'audiogramme tonal est excellent, évidemment un petit peu dégradé vers les 8000 Hz, c'est une femme, 54 ans, bon, pas de problème. Audiométrie tonale vocale, dans le silence, non informative, et comme la SFA nous le dit et nous le répète à juste titre, quand on regarde les performances dans le bruit de cocktail party, cette personne, dans une condition que j'abrège, 9 mots sur 30, alors qu'elle devrait en répéter 27, plus ou moins 3 sur 30. Très, très mauvais. Alors, est-ce à dire qu'elle a une synaptopathie? Est-ce à dire qu'elle a une surdité cachée? Quand on regarde, caché certainement, mais pas du tout new look, si j'ose dire, tout à fait d'un type ancien. Regardez ces auto-émissions à haute fréquence. Pas trop mal à 4000 Hz, mais effectivement, comme on le soupçonnait sur les autres auto-émissions provoquées par Kik, catastrophique à 6000-7000 Hz. Pas du tout en accord avec un audiogramme tonal qui, je vous le fais remarquer, reste normal jusqu'à 6000, voire 7000. Donc, contradiction. Alors, on lui fait le test que Brian Moore avait très sympathiquement mis à notre disposition. Alors, malheureusement, c'est sous Windows XP. Quel désastre pour ceux qui ont gardé n'ont pas gardé leur vieux XP et sont passés à Windows 10. Regardez ces courbes d'accords de masquage, certes assez laborieuses à faire. Regardez cette dame. Dans les hautes fréquences, c'est un désastre ambulant. Voilà les sons tests, et la courbe d'accord est en fait beaucoup plus basse à des niveaux finalement supraliminaires, mais proches de son seuil auditif en basse fréquence. Donc elle a un effet de masquage absolument catastrophique, énorme, exacerbé, qui ne devrait pas exister avec les courbes d'accord classiques, et qui explique sa performance catastrophique en cocktail party et sa plainte, évidemment. Et ça, c'est un problème de cellules ciliées externes, et nous en avons quelques modèles, et je vous laisse vérifier la littérature, mais cette littérature, déjà en 1984, et je crois que cette diapositive a été montrée par Jérôme, il y a quelques instants, on avait des courbes d'accord complètement unitaire cette fois, pas du tout psychophysique, complètement aberrante, avec une pointe de sensibilité et
une réponse basse fréquence à peu près au même niveau. Et l'équipe de Boston avait dit que c'est des anomalies très bizarres en mosaïque, hein, des cellules ciliées externes. Mais on a toujours vu la même courbe hein, depuis 1984, ce qui laisse quand même à supposer qu'il n'y avait qu'un seul animal dans ce cas. C'est quand même super intéressant de voir que Jérôme modélise ça avec son modèle, mathématiquement. Et nous avons l'impression que la patiente de tout à l'heure avait le même profil psychophysique. Et si on regarde une étude plus systématique de l'équipe de Hubert Snell et Vera Price à Leyde, eh bien, ils avaient, eux, des courbes d'accord encore plus caricaturales et très nombreuses, unitaires, lorsque on avait des profils de lésions intracochléaires de cellules ciliées externes. Vous voyez ici une pointe autour de 8000 Hz, mais une efficacité maximum du bruit à 1000 Hz chez le cochon d'Inde. Et puis là, on ne voit plus de pointe, on a un masquage complètement baroque. La fibre vient apparemment d'une zone codant pour 3000 Hz, mais elle est masquée au maximum par un son dans la gamme audible, on va dire, dans la gamme conversationnelle, mais c'est un cochon d'Inde, à 200 Hz. Donc, comportement complètement aberrant. Donc, mon message, c'est soyons très vigilants, modélisons, ce n'est pas du tout un jeu de mathématicien, c'est extrêmement précieux, remesurons tout ce que nous avons vu, n'appliquons pas de recettes où les synapses nous paraissent une solution parce que ce n'est pas la sienne, c'est certainement une hypothèse envisagée. Et donc, pour conclure, je dirais, finalement, on a très envie de remonter aux causes. Et les causes physiopathologiques, Jean-Luc Puel l'a dit, elles sont communes aux lésions périphériques, striatales, motrices, cellules ciliées internes, les synapses, les centres. C'est toujours la triplette, vascularisation, mitochondrie, radicaux libres, et rajouter les peroxysomes, la glycémie, etc. Et ça laisse, par conséquent, ça nous laisse, nous et vous, cliniciens, devant le même questionnement, où peut bien être le site du trouble? Parce que si on identifie le site, on risque fort d'avoir un appareillage beaucoup plus confortable et puis une intervention beaucoup plus rationnelle. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. Je suis à votre disposition. Est-ce qu'on peut poser une question ou deux? Bien sûr. C'est tellement passionnant. Merci, Paul, pour ce super exposé. J'ai deux questions. Quand tu mesures le réflexe stapédien, en principe, il déclenche, on va dire, au-dessus de 70 décibels. Oui. Donc, finalement, ma question, c'est est-ce que la mesure du réflexe stapédien, ce n'est pas une manière de mesurer les fibres à osseux, auquel cas, déjà, c'est un outil un peu intéressant. Hein. Ça, c'est ma première question. Et puis, ma seconde question, c'est à fréquence égale, pour toi, ce n'est pas choquant d'avoir une discordance entre un seuil auditif et une absence, par exemple, d'auto-émission. Par exemple, est-ce que dans ton scénario, on peut concevoir, je ne sais pas moi, d'avoir à 4 kHz un seuil normal et des auto-émissions dans cette zone altérée? Voilà, c'est mes deux questions. De très bonnes questions. Donc, la première, c'est effectivement mon impression, c'est qu'on a finalement un test assez sélectif des fibres au-dessus de 70 décibels et c'est tellement facile qu'on a très envie de l'utiliser exhaustivement. Donc, je le recommande vivement. C'est un test très simple, très, très pauvre en effort et très illustratif. Et la deuxième réponse est effectivement très paradoxale. Donc, nous, on avait phosphoré en regardant l'histologie de près chez des modèles animaux et
On avait remarqué souvent que quand on avait des cellules ciliées externes très abîmées à la base, à l'extrême base, mais enfin complètement difformes, avec des touffes céréociliaires incapables de faire de la transduction. D'ailleurs, il n'y avait pas de potentiel microphonique du tout, mais elles restaient ancrées dans la membrane tectoriale. On avait soupçonné que cette membrane tectoriale couplée pouvait shunter la vibration et partir, parce qu'elle est, elle n'est pas sélective comme la membrane basilaire, et laisser passer le son vers les basses fréquences, vers l'apex plus exactement. Alors ça paraît un peu fantasmagorique, mais ça expliquerait cet effet de perception qu'on pourrait qualifier de hors fréquence, c'est-à-dire un peu fantôme, comme pour les zones mortes, mais la faute des cellules ciliées externes au lieu des internes. Merci Paul. Merci. Super. Il y a une question concernant le retentissement. A-t-on vu retentissement sur l'audition de l'utilisation régulière du casque en télétravail? C'est une très bonne question. Je suis en train, parce que l'idée de la musique compressée évoque immédiatement l'idée de la visioconférence surcompressée. Et Zoom n'est pas trop mauvais sur ce plan-là, je rassure nos auditeurs. Mais il y a des plateformes catastrophiques. Et la réponse est en tout cas oui, d'après mes sondages. Je reçois de nombreuses plaintes de professionnels condamnés à la visioconférence et qui souhaiteraient qu'on se penche sur la question. Ok, merci. Moi, j'avais une question concernant une des premières diapositives. Est-ce qu'il a été creusé les avantages de vivre sur des plateaux soudanais, c'est-à-dire la première diapositive qui montre que ce sont des gens qui ont une audition préservée. Est-ce que c'est quelque chose qui a été creusé? Est-ce que tu as parlé d'alimentation? Est-ce que c'est l'environnement sonore? Est-ce qu'il y a des pistes cette question? Les autres expérimentations avaient eu lieu sur les hauts plateaux andins, je crois, et à l'île de Pâques. Donc, c'est vrai que ce n'est pas des endroits qui, à l'époque où les études ont été faites, étaient connus pour être particulièrement bruyants. Alors, hélas, le Sud-Soudan est en guerre permanente depuis une dizaine d'années à cause des enjeux pétroliers, miniers, etc. Donc, hélas, si on était cynique, on retournerait faire la mesure. Je pense que, pour moi, intuitivement, l'alimentation est critique parce que les antioxydants naturels sont quand même reconnus par les nutritionnistes comme très efficaces. Je ne veux pas tenir un discours New Age, mais personnellement, je ne déteste pas les polyphénols. Donc, moi non plus. Partagé. Je crois le savoir. Voilà. Donc, effectivement, je pense que ça coûte pas cher, ça fait plaisir et ça ne peut que faire du bien. Donc, oui, et éviter de s'exposer stupidement à des niveaux absurdes me paraît très important, puisque quand vous vous repassez les enregistrements des Rolling Stones dans les années 80, ce n'était pas 125 décibels. Quoi. Mmh. Et c'était tout aussi bon. Mmh. Ok, merci beaucoup. On va vous donner quelques nouvelles de l'avis de la SFA, mais avant, merci beaucoup aux trois intervenants pour cette session passionnante sur les troubles de l'audition, de la périphérie vers les centres. C'était vraiment très riche d'enseignements. Merci beaucoup. Merci à vous pour avoir organisé ce séminaire. Vraiment, merci. Avec plaisir. Voilà, donc. On va vous prendre encore quelques secondes pour vous parler de quelques événements de la SFA. C'est vrai que l'audition des pierres qui roulent nous a apporté beaucoup de satisfaction dans ces années-là. pour l'instant, la Société française d'audiologie est ravie de proposer une bourse de master recherche, une bourse d'études de 24 000 euros. Grâce au sponsor d'Audica, que je tiens à remercier vivement au nom de la Société française d'audiologie, Audica qui a accepté
l'an dernier donc, de parrainer cette bourse. Cette bourse, elle est dédiée à un étudiant qui souhaite travailler en master. Vous savez que la SFA est multidisciplinaire et donc peuvent candidater les médecins, les audioprothésistes et les orthophonistes. Dépêchez-vous, la date limite est dans un peu plus de 15 jours, elle est fixée au 30 juin, et le conseil scientifique de la SFA est impatient de lire vos projets scientifiques. Merci, Ung. Donc, concernant les prochains rendez-vous de la SFA, il y a un webinar qui est le prochain mardi, donc sera le 20 septembre 2022 sur le sujet de l'implant cochléaire chez l'enfant. Et puis notre colloque est devenu un e-colloque depuis 2020, qui a eu beaucoup de succès, donc ça aura lieu le samedi 2 décembre dans la matinée de 9h-11h30 avec différents intervenants. La thématique sera la surdité unilatérale et binauralité. Voilà, donc vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, voir les actualités de la SFA sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, également sur le site de la Société française d'audiologie. Donc, n'hésitez pas à aller prendre des informations. Et pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, comme l'a dit le professeur Taïwan, la Société française d'audiologie est multidisciplinaire, donc toutes les personnes qui sont professionnelles impliquées dans le domaine de l'audiologie, que ce soit acousticien, chercheur, médecin, audioprothésiste, orthophoniste, peuvent donc nous rejoindre, devenir membres. C'est donc en avoir accès, il y a quelques avantages que vous voyez ici, hein, accès réduit, tarif réduit à la revue d'audiologie demain, l'accès au replay rapidement, la nouveauté d'être automatique membre de l'International Society of Audiology, avec l'accès au International Journal of Audiology, accès à des plateformes, des webinaires au niveau qui sont proposés par les différents pays appartenant à l'ISA. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là. Merci à nouveau à Sensorion pour son soutien qui nous a permis d'organiser ce webinar. Et puis, donc, on vous donne rendez-vous pour aux prochains événements de la SFA. Et n'oubliez pas le congrès mondial en 2024. Au revoir à tous et à toutes. Au revoir. À bientôt et merci.